Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de ce mois de décembre, comme d'habitude, le Sagittaire a la priorité jusqu'au 21. Et le Sagittaire, c'est un secteur important de votre thème, hein. C'est un des quatre signes qui sont les bases sur lesquelles vous êtes construit. Et il représente, il occupe votre secteur 4, secteur de la famille, de la maison, du passé, de l'enfance, qui est le réservoir de vos souvenirs, qui est également, oui, votre mémoire finalement, hein, la mémoire de ce que vous avez vécu, qui parfois est oubliée et ressurgit en certaines occasions. C'est aussi un secteur qui représente vos traditions, donc on arrive dans une période où les traditions ont de l'importance, hein, quelle que soit votre confession religieuse. En tout cas, bon, c'est aussi un moment où il y a beaucoup de travail, hein, surtout si vous êtes dans le commerce. Donc, vous allez un petit peu vous énerver, hein, mais essayez de bien contrôler cet énervement qui ne servira à rien. Après le 21, en revanche, avec le Capricorne, vous serez tranquille, hein. Disons que c'est un signe qui est en harmonie avec le vôtre, c'est votre secteur 5, donc vous serez mieux dans votre peau, plus tranquille, parce que en phase avec vous-même, en phase avec votre physique, on vous fera des compliments sur ce que vous aurez accompli et vous serez un petit peu content de vous, parce que le Capricorne n'est jamais totalement content de lui, hein. Du côté des activités, nous avons un Mercure, hein, c'est votre planète maîtresse, c'est pour ça que je vous en parle, qui est un petit peu compliqué à gérer, hein, ce mois-ci, parce que elle fait plusieurs aspects. Alors donc, elle commence, hein, par une dissonance en marche rétrograde. Hein, elle commence par une dissonance avec Saturne. Donc vous êtes un petit peu, je dirais pas coincé, mais un petit peu freiné, hein, ou alors il y a des difficultés dans les transports, vous avez du mal à vous exprimer, on vous coupe la parole, on vous empêche de dire, ou peut-être même qu'on vous empêche de travailler. Hein, ça c'est possible. Mais bon, elle va reprendre une marche directe et en reprenant une marche directe, elle va être en bon aspect avec Mars. Donc, si vous voulez, je pense que là, les choses ont des chances de se décoincer. Hein. Vous serez beaucoup plus, puis surtout avec Mars, vous allez pouvoir accélérer et peut-être, si vous avez pris du retard, pouvoir rattraper ce retard. Hein. Malheureusement, en reprenant une marche directe, elle va de nouveau retrouver cette dissonance avec Saturne en fin de mois. Et de nouveau, vous aurez le sentiment d'être freiné, que tout est lent, vous n'y arrivez pas. Mais je vous promets que ça passera rapidement parce que Mercure est en direct, elle va prendre de la vitesse. Et bon, ça va durer 2-3 jours, pas plus, hein. Du côté de vos amours. Vénus est bien placée pour le troisième décan en début de mois jusqu'au 7, hein, des très beaux aspects, donc votre vie affective sera vraiment une source, peut-être une vraie source de plaisir, hein, par rapport aux problèmes liés à Mercure. Le problème, c'est qu'elle va être rapide et qu'à partir du 7, elle va se trouver en Verseau et en Verseau, elle sera conjointe à Pluton, qui est rentré le mois dernier. Et une conjonction Vénus-Pluton en Verseau pour la Vierge, cela signifie des changements profonds dans votre relation au travail ou à la vie quotidienne ou à votre forme. Il y a comme quelque chose que vous ne contrôlez pas, que vous ne maîtrisez pas, qui arrive dans votre vie peu à peu. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience cette année quand Pluton était rentré, mais très timidement en Verseau.
là, elle vient d'y rentrer définitivement, donc peut-être que les choses vont être de plus en plus, comment dire, visibles pour vous, qu'un changement est nécessaire, et même peut-être que vous allez redémarrer hein, dans votre vie, dans votre façon de travailler, parce que la vie professionnelle, c'est pas le secteur 6, hein, c'est le secteur 10. La 6, c'est vraiment comment on travaille, nos méthodes de travail, les outils qu'on utilise, les collègues. Alors, vous pouvez avoir un collègue avec Pluton quand même un petit peu manipulateur, hein, faut vous méfier, hein, et ne pas, surtout ne pas rentrer dans son jeu. Le 3, le 12, le 17 et le 25, le jour de Noël, sont les meilleurs, les jours top hein, de ce mois de décembre. Donc, profitez-en pour bien préparer vos fêtes, pour savoir, pour bien organiser les choses, parce que bon, c'est votre truc, vous aimez organiser. Eh bien, j'espère que vous avez apprécier cette vidéo pour votre mois de décembre. Je vous rappelle que vous avez vos prévisions 2025 sur mes petits bouquins que vous allez trouver sur les plateformes Amazon, Apple, la Fnac, etc. Et que nous avons des petits posts sur les réseaux sociaux tous les jours, Zoé et moi. Ensuite, que nous donnons des consultations, bien entendu, et que vous pouvez faire des rencontres de rêve sur 12, notre application de dating. Excellent mois à tous!